Situé aux abords de la lagune Ébrier, entre Grand Laou et Fresco, le village d'Ebounou se réveille en chanson. Pendant que certaines femmes chantent et dansent à travers le village, d'autres se préparent à la cuisson de la tiéké. Aïe! Les pirogues sont bien alignées sur une lagune calme et paisible. Nous sommes en pays Avikam pour la célébration des journées sportives, de football et de courses de pirogues. La pirogue est au cœur de la vie des Avikam, ce peuple lagunaire au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Paul, fils du village, pagaie en main, se dirige vers le bord pour la compétition. Les tambours parleurs résonnent en présence des autorités administratives et villageoises. Piroguiers et admirateurs sont enthousiastes. Nous avons gagné parce que j'ai plusieurs fait ça. Je suis toujours le premier. Donc aujourd'hui, je crois que je vais gagner. Parce que avec cette course de pirogue, je suis tout le temps le premier. C'est mon équipe qui est là et je crois qu'on va gagner. Nous sommes des Ebounou. On va faire ça valider. 3, 2, 1, 0. Le top départ est ainsi donné. La course prend une allure de fête sous les cris et encouragements des populations. L'équipe du village d'Ebounou avec à leur tête Paul remporte la partie sous les hurrahs des villageois et des autorités. Merci.
Le travail a été bien fait. Il y a eu une cohésion entre eux qui a permis que la chose soit bien faite. Et que, la cérémonie que nous vivions, elle est de mine. Je pense que c'est très important. C'est un festival où on prend la cohésion sociale. Et il y a des activités sportives, socio-culturelles. Le sport est un facteur de rapprochement. Donc cette jeunesse-là doit favoriser le rapprochement pour une Côte d'Ivoire unie, une Côte d'Ivoire solidaire dans la cohésion sociale tant prônée par tous nos gouvernants. Le festival Wasisi est un événement culturel et social. C'est donc de notre devoir d'accompagner cette association qui mène ce genre d'activité-là à vraiment promouvoir la culture de notre sous-préfecture, la culture des habitants. Car aujourd'hui, on peut dire que les populations de Bourg sont en train de commencer à préparer ou bien à fêter l'indépendance. Grâce à lui, on a la fête de l'indépendance le 7 août. Donc déjà, ça met en avant les festivités de l'indépendance. En plus de la course de pirogue et du match de football, cette célébration fut l'occasion pour les fils et filles du village de poser des actes de générosité à travers des dons en nature. Juste parce que l'idéal, c'est d'aider nos petits frères qui en ont besoin. Et voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Et j'espère revenir encore les prochaines fois parce que c'est un village qui est magnifique et les gens sont gentils et ils ont besoin de soutien. Voilà. Encore une fois, nous sommes là pour les aider. Les journées sportives des Bounous ont mis en lumière non seulement les talents sportifs des Avicam, mais aussi leur solidarité et leur attachement aux traditions. Cette célébration où la joie, le partage et la convivialité ont réuni toute la communauté, renforçant ainsi les liens sociaux et culturels de ce village pittoresque.